voyez ces inscriptions comme dans les animes. Donc, ah, on va juste le PVP, ok. C'est ça, hein. On va avec du loup. Paf. Les dégâts avec du loup sont assez abusés. Donc, ici, on a un boss. Deux boss. On va commencer par essayer d'activer que celui-là. Ah, non, je pense qu'il m'a frappé. Non, c'est bon, il m'a pas frappé. Ah, si, il m'a frappé. Ah, ah, dommage. Alors, attends, il va falloir juste taper comme un tour. Ça, on va le dodge. Paf, paf, paf. On va faire le combo classique pour lui. On fait ça. Le combo infini. Faut faire gaffe quand même. Ouf. C'est pas ce combat, hein. C'est vachement facile. C'est pas des combats très compliqués. Je sais pas, on a du. Aïe aïe aïe. Donc, nous on va commencer. Ah, j'ai pas pris Pichel malheureusement. J'ai gardé Barbara. Aïe, je vais rajouter. Ça va vachement. Il y a beaucoup de défense, mais ça va. Ça va. Les dégâts sont au rendez-vous. Mais... moi bien, les dégâts sont vachement violents. C'est juste qu'il a beaucoup de défense pour le coup. Donc voilà aussi, bah pendant qu'on y est, je voudrais vous demander, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos invocations sur la chaîne? Parce que on se posait la question, moi et Gen. Donc dites-moi si ça vous intéresserait, parce que on prévoit d'en faire, mais dites-moi si vous êtes avis favorable à cela. Non. On va lui mettre beaucoup de dégâts. Bon, on voit quand même. Il aura assez longtemps le boss. Aïe. Là, il va s'arrêter normalement. Arrête-toi, merci. Et là, c'est. Paf. C'est fini en beaucoup. Il a droit des trucs, non il a rien de droit. Okay. Un peu déçu. Ensuite, c'est compliqué. Hein. Ok, ce sera des boss. Faire gaffe à pas toucher le laser. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de dégâts. On va éviter de le toucher. Paf. Ça, ça va être assez relou. Bon, ça pour battre ça. Bah, c'est bon, on va taper avec ça. Bon, le perso animaux est aussi vachement fort. Et je préfère pour ma part jouer le géo. Bon, en fait, c'est on va tuer un autre. Mais surtout un archer. Il est mort. On va quand même s'occuper de l'archer parce que ça risque d'être ouf. À deux doigts celle-ci je me la prenais. Voilà, on est directement plus rapide à tuer. Donc on arrive ici. Ah, on voit qu'il y a un défi là qui arrive prochainement. Et ici un beau boss. Hein. Avec des acolytes partout. Il est bien séparé. On va essayer de regagner quand même. Regagne tout le monde. C'est vachement risqué ce que j'ai fait. Non, ouf. Aïe aïe aïe. Je vois bien que on peut pas être cancel son ulti par le stun.
On va essayer d'éviter de se contre-attaquer. Là, je vais être vulnérable des boss, tu vois. Là, ultra simple à tuer. J'ai assez galéré pour qu'il me prenne le truc du feu. Mais bon, pas de réflexion. Putain, donc ça. Ouf, il est pas mort lui. Donc voilà. On a une porte de la résurrection. Ça, ça veut dire souvent quand on a une porte de la résurrection, il va se passer quelque chose. Donc, là, on voit son dessin dans ce cas-ci. Alors, ennemi vaincu. Ok, donc. Ok, ah, des ennemis. C'est pas une ultra bonne surprise pour le parce que je déteste les archers. C'est insupportable. Surtout que là, j'ai l'impression qu'il y a un archer de tous les types. Ah non, c'est deux archers de feu et deux archers de. C'est logique un peu, je vais faire des réactions. Paf. Il y a des archers qui sont rajoutés à la fête. Ah non, on va essayer de toucher. On va la mettre ici. Là, je crois que j'ai touché. Non, je ne touche pas parce que j'ai fait tout à fait. Si vous pouvez moduler ce combo à votre bon, après là ça va être très très simple. Bon, surtout vous avez dû avoir 10 minutes, je sais pas. J'imagine que j'ai pas regardé au début, j'imagine que c'était 10 minutes, donc très facile. Surtout quand on est AR25, on commence à avoir des persos niveau 50, si vous pouvez. Justement, les débuts de niveau 50. On va aller faire l'alchimie pour débloquer certains trucs qui des week-ends. Là, mon Diluc, malheureusement, j'ai pas de matériaux d'XP qu'il me faut. Mais il est déjà niveau 45 sur 50. Bon. Voilà, c'est ça. Ensuite, on a. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Donc, encore une porte de la résurrection. Paf. Du laser. Franchement, face au laser, hein, c'est pas difficile. Paf. Ouf, je me suis carrément bien là. Je sais pas. Là, il va falloir faire gaffe quand même. Parce que je sens qu'ils vont me. Voilà, et là, ils m'ont vu. Oula! Insupportable. Je déteste. Là, il y en a plus. Est-ce qu'ils vont. Ils vont pas mourir. Okay. Là, ils sont normalement, ils sont morts. Yes! Je le touche. Bon, tu vas pas me mentir. Je vais pas te mentir. Je m'en fous un peu de toi. Donc on va clairement passer tout ça. Ah, ça je sens que ça va être lourd. Oh, avec des lasers. Bon ça va, c'est vachement facile. Les mâches cryo, bah. Ça va être bien. Déjà les dégâts de famille. Ça va être très compliqué là. On va falloir regarder. J'ai envie, sinon c'est la mort. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les items de soin? J'ai bien l'impression que oui. Donc, on va utiliser Pat. Ah oui, je vais pas éliminer les jeunes. Là, c'est très sympa parce qu'il y a des combats de combats. Et pas.
j'arrête là. Non, là je... Voilà, à partir de là, ça y est. J'ai plus envie de... Et pas. Ça c'est fait. Il est mort, hein. Et ensuite bon, on va refaire avec lui. Battez l'hypostase électro. Oh, l'hypostase électro. En vieux pote. Si vous avez pas vu le combat contre l'hypostase électro animal, allez le voir, hein. Je l'ai fait. Bon, c'est vraiment ça va être un carnage, hein. J'avais déjà fait une première fois. Bon, là il est un peu plus au level. Mais bon, là, c'est vachement facile. Comme à peu près, c'est combo. C'est pour ça que j'ai électro que j'avais. Celui du monde. Voilà, cette tortue il avait pas. Ah, et ça aussi il avait pas. Fascinant. Très facile à dodge, je pense. En fait, il a une grosse puissance de burst du Hulk, je trouve. Il met des dégâts vachement vite. Voilà, je coupe. Je suis pas content. Je vais clairement profiter de tout ça. Ok, donc là, vous coupez vite les cristaux. Là, faut vite les casser pour le coup. Mais je peux pas les casser, yes. Okay. Aïe. Voilà. Donc, message important. Niveau du monde augmenté. Donc voilà, votre niveau de monde augmente. C'est très important. Donc, ici vous avez le coffre luxueux. Vous gagnez 2 pierres de la destinée et 100 gemmes. Et un coffre luxueux quand même. C'est plutôt incroyable. Deux guides de la poésie, des leçons du héros. Bon, que des trucs très cool. Donc on va sortir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord parce qu'on n'est pas nombreux. Mais ne vous inquiétez pas, ça, j'espère que ça va changer surtout. Et voilà. Sur ce, bonne fin d'après-midi ou... Non, bonne fin de matinée ou bonne fin d'après-midi. Sur ce, je vous dis ciao.